4 milliards de snaps partagés tous les jours, 500 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube, 55 millions d'articles en plus de 300 langues présents sur Wikipédia, et n'oublions pas les 1,7 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, ou encore les 500 millions qui font de même avec Instagram. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions échangé autant d'informations à chaque instant. Comprendre le fonctionnement des réseaux numériques permet avant tout de se les réapproprier. C'est choisir ensemble comment on les utilise, que ce soit pour limiter la circulation des fausses informations, préserver la démocratie, réduire leur impact écologique ou encore ne pas être dupe du fonctionnement d'un algorithme conçu avant tout pour nous montrer des pubs. Qu'il s'agisse des algorithmes, de nos biais cognitifs ou de bien d'autres notions, au sein du réseau InfoJeune, nous avons développé de nombreux outils pour encourager la réflexion sur ces questions. Comme le cahier d'éducation aux médias et à l'information. Plus de 30 pages de jeux pour affûter notre esprit critique sur ces questions. Le numérique est une chance. Il nous permet d'inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Rendez-vous sur infojeunefrance.org.